On fait quoi comme petite game, monsieur Phillips? Oh, ça m'appelle par les... Par les termes. Moi, je dis les termes ce soir. On va tout déchirer ce soir, je te le dis. Allez, combien de temps avant qu'on se fasse défoncer par la première, game, j'en suis sûr, on va se faire dérouiller. Mais on va bien se marrer. Moi, je te dis, mec, j'allais dire, on fait de la classée de suite. Non, on fait pas ça. Si tu veux, tu viens juste demander. Bon, ok, d'accord, ok. Tu m'as eu par les mots. Je suis un homme facile à convaincre. Tu peux t'arrêter ta phrase, je suis un homme facile. C'est pas si vrai. C'est vrai, toi tu es obligé de calculer chaque molécule. Non, il y a un contrat. Un contrat bien détaillé. Je trouve pas qu'elles sont limitées. Bon, déjà... Coucou YouTube. Coucou YouTube. Ah, oh, c'est cool que tu m'invites dans ta game, non, ça pue. Oh, mais merde, mais je suis trop con. Merde, j'ai relancé tout ça. L'autre il se barrait sans moi. Mais t'es le genre de connard, t'es la maman dans Maman j'ai raté l'avion. Genre tu m'oublies, tu prends l'avion et tu dis oh merde. Oh merde. Con, j'ai lancé une classée sans toi, mais attends, je m'en fous. Non mais j'ai bien compris, t'es pas obligé de me faire un récapitulatif de ce que t'as fait. T'as oublié ton pote. Ouais, collègue. Tais-toi, bon dieu. Allez, seulement on voit si ce mois d'absence... Non, même plus, hein. Attends, la dernière fois qu'on a joué, c'était quand? Je crois que la dernière vidéo, merci, c'est la dernière fois qu'on a joué. Ouais, c'était en septembre, ouais. Mais tu sais qu'on va dire ça à chaque début de R6, à chaque fois. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Oui, mais en même temps, là, on est papa, on a une famille à nourrir, là. Ouais, c'est trop drôle qu'il y a un gros écart un jour entre une vidéo et... Genre, on a tous des labradors, paxage, mariage, comme tu dis si bien. Lag ma race. Mec, je lag ma race. Non, c'est où? Sérieux? Ouais, si je veux toujours que je lag, ça m'ira. Nique ta mère. Pourquoi j'ai eu un trophée pour avoir rien fait? C'est quoi le trophée? Jouer dimanche avec tous les agents d'une ORG pionnière en multijoueur rapide classé. Ouais, c'est vraiment le trophée de t'as rien fait, quoi. T'as joué avec nous, c'est bien. Bravo. Alors, tu remarqueras que j'ai 3 assists et que le mec a 4 kills. C'est parce que il a fini tous les gens que j'avais mis à terre. Ça fait une belle journée. C'est pour ça que t'es pas invité aux anniversaires, mec. Je te déteste. Genre, en fait, qu'est-ce que tu me veux? J'essaie de parler un peu dans ta vidéo à la con. Et c'est comme ça que tu m'inverses ces gens-là. Alors, par contre, il y a un truc que je veux faire et toi, tu veux jamais faire des gosses. C'est pas vrai. Faire des 1v1 parce que ça fait super longtemps. Tu veux qu'on fasse un 1v1 tous les deux? Tout ça, attends. Est-ce que ça a à voir quand on avait discuté là, en buvant un coup là, de ton problème là de compétition? Non, c'est juste. Pute pour, c'est toi qui a fait ça? Oui. J'ai vu Dieu, mec. Ouais, vas-y, fais diversion, tire un peu partout. Merde, j'ai recommencé. Je vois des flashs partout. J'ai recommencé, je suis désolé. Il y avait 3 capcans sur la porte. Putain, avec mon lag, j'ai reculé. J'ai reculé, je me suis pris une balle. Regarde-moi ces salopes, ils sont tout en haut là. Ça t'y bague. Ah, ça t'y bague en plus. Bon, on est gosses, quoi, putain. Ah, ça t'y bague, d'accord. Ah, mais d'accord, ok. Enfin, je vois le jeu. Ouais, allez, capcan. Quand on sait pas parler, on fait tout péter, voilà. C'est le commanditaire de l'État islamique qui a dit ça. Avant de signer sur RTT. Il y a des RTT à l'État islamique? En tout cas, ils prennent pas l'avion. Bah justement, le problème. LOL! Humour, rigolade! On dirait qu'on vit dans une réalité parallèle où en septembre n'a jamais existé. C'était les gens en septembre 2000. Les gens en septembre 2000. C'est pas normal que ce soit. Bon, c'est pas normal que ça me fasse rien. Je suis en train d'imaginer des gens, c'est genre super enthousiastes. Ça ne tombera jamais. Non, mais qui disent putain, ces deux tours elles sont jolies. Franchement, ça va rester des années. Il y a un avenir là-dedans. Je vois le potentiel. Pourquoi tu rigoles ça, merde? Il y a tellement un potentiel que Sam Raimi avait fait un teasing de Spider-Man où Spider-Man débloque un hélicoptère entre les deux tours. Il y avait le jeu Deus Ex sur PS2. Il y avait les deux tours qui avait... Non, justement, ils y étaient pas. C'est sorti 3 ans avant, mais justement, t'as des mecs qui ont dit ouais, ils sont prédits. Non, c'est juste que la console elle pouvait pas les afficher. Le mec qui s'occupait de la DA qui s'est dit yes. Imagine le mec de la DA qui est comme par hasard islamique. Quel hasard! Un complot? Waouh! Comment t'as deviné? Je sais pas, j'ai fait mes propres recherches. Ça, c'est les extraits qui vont pas pouvoir passer sur TikTok. De toute façon, là, depuis le début, je pense pas que le passage avec les tours, ça passe. En vrai, c'est un peu drôle, mais c'est horrible. Bah, c'est un humour, mais très noir. Très très noir. Comme Nathan. Putain d'enfoiré de fils de pute! Alors, Tom, sache que le noir, il t'emmerde, sale fils de. Oulala! T'as dit de faire karma, là. J'ai fait une bêtise! Ah, cette intonation! Une bêtise! À l'aide! Louis Armstrong pendant la guerre en Irak, quoi. Je vois des flingues! À l'aide!
Ouais, la magie des Capcans. Ouais. Et t'as une meuf qui parlait anglais. Elle me demande si j'ai une meuf. Et t'as répondu à un mec. Commence pas à spoiler. En fait, j'essaie de le dire gentiment, mais ouais, t'es moche, quoi. Genre vraiment, c'est horrible cette phrase, Tom. Oui, non, mais je sais. Mais non, mais elle était super. Elle avait l'air sympa. Putain, en plus, je meurs là. Tu mets ce dernier mot avant de mourir. Elle était pas belle. C'était pas mon style. Ouais, bon, on cherche pas à être dégueulasse, on a compris. Mais non. Ah putain, oui, bon, ok, d'accord, si tu veux, je suis une grosse merde. J'ai regardé droit dans les yeux, elle était autour de toute sa famille et j'ai dit le plus beau I'm gay de ma vie. Et je suis parti. J'ai zéro kill. Oui! Dans l'escalier, tu tournes, tu tires. Mais du coup, je lui ai dit « I'm gay » et je suis parti. Mais le truc, c'est que elle était avec toute sa famille. Quoi ? Mais oui, mais elle était pas seule. Elle, genre, il y avait toute sa famille. Et plus j'y repense, plus je suis mal à l'aise de cette situation. La meuf a réussi à trop de mal à l'aise d'être gay. Le truc, c'est que je pouvais pas la recaler en lui disant « Non, t'es pas mon style, dégage. » Je pouvais le dire gentiment, mais je pouvais pas le dire parce qu'il y avait toute sa famille. Plus j'y repense, plus je me dis « Merde ». J'aime bien ce genre d'anecdote. La fois où j'ai failli me battre avec un gitan aussi, ça c'est...